Aujourd'hui, je vais vous présenter les petits achats que j'ai faits à Leclerc au cours de leur journée beauté. Voilà, qui a commencé le 17 avril et qui se termine le 27. Donc, je pense que ça peut en intéresser certaines de voir un peu mes achats et combien ça coûte. Parce que vraiment, moi, à chaque fois, je profite de cette semaine de la beauté chez Leclerc. Tous les ans, je fais mon stock de gel douche, de dentifrice. Un petit peu de make-up, mais pas beaucoup finalement. Donc, j'ai pas gardé tous mes tickets de caisse. Je fais cette demande cette vidéo à la demande de Eva. Et donc, j'espère que ça lui fera plaisir. Gros bisous, Eva. Donc, j'ai gardé le catalogue et dans le catalogue, il y a les prix. Donc, on pourra y retrouver. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai vu la vidéo de Sanassas, oui. Qui parlait des produits Playboy. J'ai jamais fait attention. Et là, du coup, j'y suis retournée parce que ben, c'est une tuerie, quoi. Ces odeurs. Et puis, je vois, ça tient. C'est magique. C'est très féminin. J'aime beaucoup. C'est très fleuri. En même temps, très, très suave. Très chaleureux. J'aime beaucoup ces parfums. Donc, j'en ai acheté 4, donc ils étaient à 8,50 € et je les ai eus à 5,10 €. Donc il y a plus de 3 € de réduction sur le prix. Donc du coup j'en ai pris 4, j'ai fait mon stock, 4 différents. Donc j'ai déjà pris le Play It Pin-Up Collection en eau de toilette. Voilà. Donc bien que le packaging il est trop cute. Et il se présente comme ça. Et donc celui-là, il sent super bon celui-là. Oh là là. Voilà. Donc ça, c'est le pin-up. J'ai pris le Play-It Sexy. Avec le petit lapin Playboy. Et la boîte en dentelle. Voilà, tout simple, avec un petit peu de noir. J'ai pris le Play It Rock. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. Il sent trop bon. Voilà. Donc, les packagings sont rigolos. Moi, j'aime beaucoup. Ah, par contre, dans mon Leclerc, je voulais en prendre un pour mon chéri. Il y avait pas de parfum. Ou alors, je n'ai pas bien regardé. Mais j'ai trouvé les gels douche, mais je n'ai pas trouvé les parfums pour homme. Et donc là, j'ai pris le VIP, excusez-moi, qui sent super bon aussi. Donc, qui est comme ça. Donc voilà. Et donc pour aller avec, donc j'ai pris les gels douche. Alors, les gels douche étaient à 4,50 €. Et il y avait presque 2 € ouais, 2 € de remise. Je ne me rappelle plus, je n'ai pas gardé les tickets. Donc j'ai pris. Là, vous allez en voir défiler. J'ai pris No Sleep New York Playboy. Gel douche et shampoing. Donc c'est pour homme. Il sent trop bon celui-là. Donc il y en a deux. Pareil, un lot de deux en Playboy VIP. Je lui ai pris. Parce que figurez-vous que ce matin, il m'a piqué mon Playboy Pin-Up pour prendre sa douche, parce que je l'ai acheté en gel douche, et il me dit, oh, ça sent trop beau, tu peux m'en acheter? Alors, je suis retournée exprès pour lui. Et là, c'est l'Electro Berlin. Donc, il y avait plusieurs villes. Donc, moi, j'ai pris New York et Berlin. Je crois qu'il y avait Londres. Et je pense que c'était tout. Voilà. Alors, pour moi, j'ai pris le Playboy Pin-Up Collection. Luxus and Sweet. Alors ça c'est... Ah là là, ça sent trop bon. J'aime beaucoup. J'ai pris le Playboy Play It Lovely, Silky et Floral. Pareil en lot 2. Donc c'était le même prix que pour les hommes. J'ai pris le VIP, Glam and Rich. Alors celui-là. Je pourrais pas vous ça. Ça sent les bonbons, mais des bonbons. Ça sent trop bon. On en mangerait. Et j'ai pris le Play It Sexy qui sent aussi super bon. Je passe mon temps à les sentir. Ah, je crois que c'est celui-là que je préfère. Ah, ça sent.
Ah, ça sent bon. Sans soie, les muscouets, ça sent le musc. C'est pour ça que j'aime bien. Alors, après, j'ai pris, donc, je vous ai dit, j'ai fait le stock de gel douche. J'ai pris des cottages. Alors, les cottages, ils étaient, je vais vous dire ça tout de suite. Le catalogue ne me quitte pas depuis la semaine dernière. Alors, gel douche cottage était à 3,80€ et je les ai eu à 3,04€ le lot pour 3 gels douche. Donc là, ça vaut le coup, hein. 1€ le gel douche. Donc j'ai pris à la pomme d'amour et j'ai pris, mais je ne l'ai pas pensé de le sortir, j'ai pris à la vanille coin. Oh, j'adore cette odeur. Donc là, c'est la pomme d'amour. Ça sent super bon aussi. Ah, ça sent la pomme d'amour. Cet été, ça sera bien ces odeurs-là. Ensuite, un produit chouchou que j'adore. C'est le Nivea Lait Douche, l'écorce sous la douche. Moi, je le prends en ultra nourrissant. Donc, j'en ai pris un lot de deux, forcément. Que j'ai pris en deux fois. Comme ça, j'en ai quatre parce que ça part quand même assez vite. Et celui-ci, il était à... Si je le trouve... Alors, pareil, ça valait le coup. J'en avais déjà pris un à Carrefour. Ils n'étaient pas vendus en lot à Carrefour. Ah, j'ai tout rangé et j'ai pas gardé mes tickets. Ah, voilà. Au lieu d'être à 8€, ils étaient à 4,80€ le lot. Donc, j'ai fait un stock. Hein. Ensuite, j'ai pris du dentifrice. Alors, le dentifrice, pareil, il était à moins de 3€ les deux. Donc, j'adore celui-là. C'est le Colgate Max White Now. Ouais. Max White One Fresh. Voilà. Donc, lui, c'est pareil. Ils étaient, je ne sais pas s'il y a les prix des dentifrices. Ça valait le coup aussi. Je suis chez les... Ah non, c'est là. Alors, au choix, 4,50€, 4,60€ tout prix de base. Et il y avait 50%, ça m'a fait à 2,30€. Et maintenant, passons au maquillage. Alors, au maquillage, j'ai pas pris grand-chose. J'ai été raisonnable. Donc, c'était pareil. C'était deux pour le prix d'un. Pour les rouges à lèvres. Et... Alors. Donc, j'ai pris... Que j'ai découvert grâce au promo à Carrefour. J'en avais pris deux. Je vous avais présenté dans une vidéo. Donc là, j'en ai pris deux autres. Les rouges à lèvres, super. C'était 14 heures de jeu. Mais c'est trop de la balle. Donc, j'ai pris, ça tient, hein, c'est effet mat, ça bouge pas le truc, hein, vraiment j'adore, hein. Je porte que ça depuis 2-3 semaines. Donc, j'ai pris le Non-Stop Red et le Ultimate Blush. Je sais pas si vous verrez, voilà, donc, comme ça. Voilà, c'est un rose un peu corail que j'aime beaucoup. Et j'ai pris le, non, donc le Non-Stop Red. Voilà, je peux vous dire que c'est un rouge qui pète. Hein, un vrai rouge de chez Vrai Rouge. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais celui-là, il flash. Hein. Voilà. Donc, c'était deux pour le prix d'un, un acheté, un offert. Donc, ça les faisait à 10,90€ les deux, au lieu de 21,80€. Ensuite, j'ai pris mon Rocket. Donc, le Rocket, il était à 6,95€. Je l'ai eu à 4,86€. C'est à Leclerc que vous le trouvez le moins cher, le Rocket. Hein. Quoique, moi, quand je les ai achetés, ils étaient à... Oh. 6,95€. Donc la 4,86€. Et moi j'adore. Et là je l'ai pris en version waterproof.
Voilà. Et pour finir, j'ai pris des petits vernis. Ben, bien sûr, là, ça valait le coup. Il y avait Rimmel. Donc, au lieu de 3,95 le vernis, il y avait 30% de réduction. Donc, je les ai eu à 2,76. Donc, c'est les vernis 60 secondes. Donc, j'ai pris le Coralicious, qui a un beau corail. Ça se voit bien à la caméra. Et j'ai pris un rouge, un vrai rouge, qui est le Naughty But Nice. Voilà. Je sais pas s'il ressort bien rouge. Je verrai. Voilà. Donc, ben voilà, pour mes petits achats chez Leclerc, je pense que j'en ai terminé, je n'y retournerai plus, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis équipée en gel douche, en lait pour le corps, en parfum, en dentifrice, un petit peu de make-up, et voilà, je me suis fait plaisir. Et c'était vraiment impressionnant, hein, quand on passe en caisse, ça vous donne le montant total, et après vous avez la réduction, puis le montant à payer, ça valait le coup. Hein. Je vois, pour toute ma gamme de petits lapins, là, de Playboy, j'ai payé 26 euros, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lots, 6, 7 lots de gel douche, et mes 3 parfums, donc ouais, 26, attends, mais il y en avait un que j'avais pris avant, 26 et 5, ça fait 31, voilà, donc au lieu de, je sais pas quoi, je sais plus combien, parce que j'ai pas gardé le ticket. Bon ben voilà, je vous fais des gros bisous et j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et aussi je remercie toutes mes nouvelles abonnées. Merci mes nouvelles abonnées. Bisous.